Bien! Salut à tous, salut les jeunes, salut à tout le monde sur Terre, salut à tout le monde sur toutes les planètes de la galaxie. On continue donc Gravity Rush Remastered, qu'on a commencé cet après-midi et qui, ma foi, m'a bien plu sur cette première heure de jeu. Donc on reprend exactement là où on en était, c'est-à-dire ici, on avait eu un petit combat, on avait changé donc le, on s'était fait chourer là un espèce d'artefact là qui était au-dessus de cette statue de poisson à la con. Donc voilà, bah écoutez, sans plus attendre, nous allons continuer. Alors, donc je vois qu'on a, un... oui, on peut aller voir ce que c'est que ce défi-là, tiens. Le pont masculin, regarde l'état de marche, répare ce pont. Ok, un pont réparé. Bien. Ça, je commence à maîtriser, ça va. Alors, le pont 10, ah bah nickel. Ça coûte rien. Ok, donc les trucs à faire, ça fait partie des défis. Moi, je pensais que c'était que des trucs timés comme le tout premier qu'on avait fait, mais non. Les machins à réparer. Alors, pour nous, le pont, ça n'a pas une grande utilité, mais c'est vrai que. Ça rendra service à ces bons habitants. Un nouveau défi verrouillé. Ah bah d'accord. Course libre. Alors, 1 minute 30, 55 secondes, 46 secondes pour tout avoir. Passe par tous les points de contrôle et termine la course. Utilise toutes les astuces gravitationnelles à ta disposition pour gagner. Pour l'instant, on est au sol, on va essayer. Merde. Ah là là. Merde, c'était en haut. Caméra, on comprend que dalle. Bon. Une 22, ok, on en a eu 100. Bon, on va clairement réessayer. Yeah.
Ah, 56 secondes. Bon, bah, c'est déjà beaucoup mieux. 45 par contre, c'est chaud, hein. Je vois pas comment je peux faire beaucoup mieux que ça. Attends. On a même pas eu le deuxième rang là, j'ai pas fait gaffe. On le refait, hein. Ah putain, c'était 55 et j'ai fait 56-13. Ah, c'est la merde là. Ok, 52, donc là c'est bon. Bon. Ok. 45 secondes, c'est vraiment chaud. Bon, on va s'améliorer le coup de pied gravitationnel. Coup de pied de pouvoir 2 sur 3, c'est très bien. Maintien X pour une chute rapide. Ok, ça je savais pas. Et la glissade, on pourra l'améliorer sa vitesse aussi. Donc avec ça, ça pourrait être possible, clairement. D'aller atteindre les 45 secondes ici. Alors là-bas, c'est quoi? Ascenseur qui mène est en panne, il a besoin de combustible. Eh bien, nous allons y aller. Là, il en faut 10 aussi, très bien. En fait, on répare des trucs et c'est ça qui débloque les vrais défis. Course d'énergie. Bon, bah, ça y est, tant qu'on est là, on va voir ce que c'est. Alors, ta jauge de gravité est vide. Attrape des gemmes pour la remplir et fonce jusqu'à ton objectif. Enfin, on va tester moins d'une minute. Bon, la première fois, c'est chaud parce qu'en plus, on n'est pas le parcours.
faim. Oh 50,19. Et il fallait faire moins de 50. Alors clairement, ça se joue un poil de couille. Donc on va réessayer. Merde, j'ai fait quitter. C'est pas grave. Ouais, c'était pas mal. Non, celui-là, on va réussir. Autant le premier, sans améliorer la vitesse de glissade, ça c'est chaud, mais là... Quarante-sept, nickel. Tam-pam-pam. Nouveau record. Et nous gagnons la médaille d'or, ce qui nous débloque un nouveau trophée. Le classement, on a fait 47-09, on est 110 millième. Et le premier l'a fait en 21 secondes. C'est vrai que si tu le refais... en ayant amélioré toute la vitesse et tout, oui, tu le fais en deux fois moins de temps. Après, ça doit être chapeau à lui, hein. Chapeau à Alice d'ailleurs. Alice, donc qui. Tiabusuke. Bon, bref. Bah, super, très bien. Avec ça, ça nous fait donc. 765 gemmes. Oh, mais pourquoi tu parles? Il y a Alexa qui se met en route toute seule. Alors. S'améliorer d'un coup. On va aller voir le dernier défi pour l'instant disponible. Ce sera pas loin de la mission principale. Alors c'est l'usine. Allez. Ok, donc ça c'est quand on appuie sur X et qu'on accélère la chute, effectivement c'est plus rapide. Bon, peut-être un défi combat là. On a eu deux courses à la suite. C'est pas bien, on pollue là. Putain. Nouveau défi déverrouillé. De lancer. Tiens donc. Bat le plus de novices possible en utilisant que des lancers gravitationnels. Attrape les objets en appuyant sur rond et à nouveau sur rond pour les lancer sur les navies. Ah.
Merde. Merde, j'ai rien chopé. Ah oui d'accord, il fallait faire 1500, ok. 420, j'étais très loin, j'ai que le minimum. Ouais, c'est pas ouf. Le défi est pas ouf non plus, ça c'est chiant. Ok. Allez. L'oracle Pandore, laissez Pandore pénétrer votre âme. Ok, faut suivre le pigeon. Alors, le drapeau bleu en hauteur. Le drapeau bleu. Putain.
J'aurais mieux le chercher en haut, bah ouais. Bien. C'est un calmar. Les messagers rouges. C'est des ballons. Les attraper. Ah, non, c'est ouvert. Le mur est devenu une porte. Non, c'est vrai que c'est chelou, hein. Le truc est même pas à l'endroit. Ça, c'est des escaliers qui sont sur le côté. Ah.
Putain, c'est des ennemis ça. J'imagine que je peux rien faire. Oh bordel. C'est que c'est bête immense. Tiens, où mène ce conduit? Oula. Je suis l'homme qui va changer votre destin. J'ai créé ce monde. Vieux Clodo. Ça a dû vous porter un coup de rester ici tout seul. Tiens. Il détient la réponse. Retrouver le vieil homme. Le voilà avec ses sacs. Ah d'accord. Allez, suivez-moi dans un autre monde. La ville perdue. Nous sommes dans le monde de l'au-delà. De l'au-delà. Les personnes disparues sont coincées ici avec leur ville. Vous devez entrer dans ce monde et rapporter ce qui a été volé. Suivez les fleurs pour trouver la partie disparue de la ville. Bien. Faille les ruines.
Ok, ça c'est quoi? Ah, c'est ça la fleur, je pensais que c'était un ennemi. Il faut suivre la lumière! Alors, quand tous les ennemis d'une zone ont été vaincus, les fleurs se verront pour montrer le chemin à suivre, suivre la lumière. Une saloperie là-bas. Je m'appelle pas Aine. Alors maintenant, X, on va changer de direction. Oui, ça c'est bon. Ah putain. Alors les trucs verts, j'ai toujours pas bien compris ce que c'était. Les glissades, ce qui est chiant, c'est qu'elles se déclenchent qu'une fois sur trois. Ok. Bien. Nevis vaincu. C'est pas timé, on a tout notre temps. Un arbre chelou. Ah, on se sent plus fort.
Merde. Attends, mais what? Ah non. Ok. Tiens, il est esquivé lui. Ok. Alors là, elle nous indique d'aller en bas. Bam! Alors lui, encore en bas. Bien. Toi tu viens là. Ok. Ok. Boss.
le patron. Oups. Ah bah les trucs verts c'est de la vie je crois. Ça, ça fait mal. Ah d'accord, ok, d'accord, il fait très très mal. Non, non, attends, bon, moi j'ai complètement sous-estimé. Je me suis dit, ça va être très facile, comme tout ce qu'on a fait jusque maintenant. Et là, ils ont mis un petit niveau pour les boss, mais c'est pas... C'est pas plus mal. D'autant plus qu'il est assez stylé quand même. Alors, de la vie, il y en a là-bas. Ah, bordel. C'était chaud. Alors, de la vie, il y en a encore ici. Ah bordel, allez, pars, vite, fuis! Allez, on l'a presque fini. Bam! Non, ça, ça peut être possible. Allez, bien. Ah, pas mal. Ok, parfait. C'est donc une partie de la ville qui est réapparue. Ça se recolle comme si de rien n'était.
Ah, notre alter ego. Il y a des plus grosses, hein, cependant. Pas quoi que. Ah putain, c'est... Ah d'accord. Enchanté aussi. Qui t'a engagé, Bolsey? Eh bien, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Corbeau versus chaton. Ah, le clodo. Bam. Raven. Voilà. Les trains sont de nouveau opérationnels. Kat peut monter à bord d'un train dans la gare pour accéder à une autre partie d'Aixville. Ok. Eh ben, c'est très bien ça. C'est très bien. C'est bien. C'est bien. Tu vas par où? Par là? Ah, ok, parce que moi j'ai de l'autre côté, mais je t'accompagne. Ah, encore lui, tiens. Oh non, non, pas encore. Toi petit, tu pourras y aller quand tu seras grand. Il veut aller au bordel, c'est sûr. Non mais attends, mais je m'en fous du train, je vais récupérer les trucs là. Putain, mais j'ai pas envie de prendre le train. Pourquoi il appelle le train? Ce train va à une partie de la ville, je devrais monter à bord. Non, on va pas monter à bord. Ah, 979 quand même. Ok. Attends, on va retourner là-bas. Bien. Ok. Non, mis à part le fait que parfois on comprenne absolument rien de là où on est, c'est assez fun. Hein. Là, je suis à l'envers ou à l'endroit? Non, là, je suis à l'envers. Putain. Donc, ah d'accord, ici c'est le truc au poisson, la poiscaille. Et ici on est bon. Presque. Les cris des mecs. Alors, voilà, on crée un champ autour de nous et ça, les... ça envole aussi les gars peut-être qui on est. Quoi. C'est énorme ça.
encore un ascenseur. Merde, j'ai pas vu combien ça coûtait. 30? Pa-pa-dam! Pa-da-pa-pa-dam, pa-pa-dam! On a une attaque spéciale maintenant, griffe tournoyante. On va pas tout claquer non plus. Termine la course en utilisant que la glissade gravitationnelle. Bah, ça, c'est parfait. Glisse à travers la ville jusqu'à atteindre la ligne d'arrivée. Une minute. J'allais dire ça c'est ce qu'il y a de plus fun, sauf que là le parcours est beaucoup plus chiant que celui qu'on a fait tout à l'heure, même si ça devrait passer sans trop de soucis. Ouais, ça va le faire. Ça va carrément le faire, quoique 60 mètres 13 secondes. Oui, c'est qui le boss? C'est Bibi! D'autant que je viens d'augmenter la vitesse, donc ça doit jouer aussi. Si on regarde le classement, le premier il est à combien? 35 secondes. Il y a moins de différence avec celle de tout à l'heure. Ah, j'ai gagné 900 balles. 900 balles, hein. Putain, j'arrive pas à voir lequel je suis en train de sélectionner. Ah, vaincre le plus de mecs pendant le temps parti, c'est chiant, ça. Et là encore une course. 2 minutes, 2 minutes, 30, 3 minutes. Ça fait combien de temps? 3h05, ça va faire presque une heure. Bon, écoute, on va juste se balader. Un petit peu. Normalement, on a des bouches d'égout à trouver. Ah bah. Ça, c'en est pas une là? Ah, bah là.
Ok. Très bien. Aïe, aïe, bien. Vous me voyez, n'est-ce pas? Oui, pourquoi je ne voudrais pas vous être un fantôme? J'erre dans le monde depuis des siècles, au désespoir de trouver quelqu'un qui me voit. Qui êtes-vous? En quoi êtes-vous différente? Je peux voir tout le monde, mais personne ne me voit. Le champ gravitationnel qui entoure ce monde est si puissant que ça n'est pas encore. Tiens, pas mal. J'ai l'impression que j'étais déjà venu ici prendre des trucs là. Ici par contre, faut vraiment faire gaffe parce que autant. Bien. Bon bah on va aller jusque notre petite maison. On va juste aller là-bas. Putain, j'ai un boost hein, les gars. J'ai un boost pour aller plus vite. Je viens juste de le découvrir. En maintenant appuyé X, je fais mon. Je vole beaucoup plus vite en fait. Et là c'est normal. Et là c'est accéléré. Et ça fait une putain de différence. Et donc forcément. Et en plus, je pense que. Ça n'utilise pas plus de. Merde. Ça n'utilise pas plus de trucs de gravité. Ok, 1172, on va encore pouvoir améliorer les trucs. Bah clairement, consommation de jauge.
Nickel. Il y a un défi sur le toit. Alors là, j'arrive pas bien à me rendre compte si ça va plus vite que tout à l'heure. Attends, ce que je vais faire, c'est... On va monter bien haut. Merde, je suis monté trop haut. Donc je dis, on monte bien haut. Et on se laisse tomber. Ouais, c'est peut-être un poil plus rapide. Bien. Bon, bah du coup, on est juste à côté de notre point de sauvegarde. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était fort sympathique, mais en tout cas, ça va être... On va évidemment continuer ça ce week-end. J'imagine qu'il n'y a pas une... C'était un jeu Vita, un console portable à la base, donc je pense pas qu'il va y avoir une durée de vie de 80 heures non plus. Hein. Je pense qu'en... quoi, 20-25 heures max, on en fait le tour de ça, non? Voire même moins. Peut-être 15 heures. Enfin, j'en sais rien, en fait. Je dis de la merde. Est-ce que je peux y aller, là? Marrant. Par contre, ça vibre. Non, c'est super agréable. Et franchement, c'est joli. Je m'attendais à beaucoup plus moche, en fait. Tu vois, tu te dis un jeu, un portage Vita et tout, tu t'attends un truc assez dégueulasse, mais au final, alors oui, c'est du cel shading, tout ça, mais non, c'est super propre. Les maisons, franchement, il y a beaucoup, il y a pire. Les textures, bah c'est, ça va quoi. Et puis le personnage, bah pareil. Le personnage, il est très bien quoi. Et puis il y a 60 FPS, donc tout va bien. 60 FPS même sur PS4 FAT, donc bah, c'est très bien. Pourrais faire ça pendant des heures. C'est comme le jeu Spider-Man où tu pourrais vraiment passer juste comme ça 2 heures à jouer, à te balader dans New York, à tester des trucs, des figures, tout ça. Merde, j'ai chopé un banc sans le vouloir. Hop. Bien, donc on va retourner à notre piole. Donc ça c'est la deuxième vent de centre Pligène. Ah non, Pligène, voilà, Pligène c'est ça qu'on a. C'est la deuxième zone qu'on a débloquée. En plus ça a l'air assez grand hein, parce qu'on a salle. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu juste maintenant, c'était juste un quart de la map en fait. Enfin là en face ça a l'air plus petit, ça a l'air assez grand. Au moins de la... Ouais, non, c'est plus petit. Et ça, par contre, ça a l'air énorme. Ok. Bah, super. Maison de 4. Bon, bah, du coup, merci pour ceux qui ont suivi ce live, regardé cette vidéo. Comme d'habitude, la rediff, c'est sur YouTube. Bonne nuit, ronflez bien. Bye bye. Bon vendredi pour terminer la semaine. Ciao, ciao.